Thierry Lhermitte file actuellement le parfait amour avec sa femme depuis 44 ans, Helene Lhermitte. Mais bien avant d'être avec elle, le célèbre scénariste est en couple avec Valérie Mérès pendant plus de 3 ans. Mais leur couple n'a pas supporté la tempête contre laquelle ils avaient fait face. Thierry Lhermitte a vécu deux relations dont une est soldée par un avortement et autre qui continue d'être sa plus belle histoire d'amour depuis maintenant 44 ans. Retour sur sa relation avec Valérie Mérès, sa maladie neurologique et sa belle histoire d'amour avec la mère de ses enfants à abri des regards. Qui est Valérie Mérès? Valérie Mérès est née à Paris le 8 juin 1955. Mais en raison du métier et de son père, à Casablanca, elle a passé une grande partie de son enfance. La comédienne Valérie Mérès. Photo, Getty Images. Après avoir revu sous les palmiers de Casablanca, et tout juste majeure, Valérie revient à Paris, décidée à concrétiser son rêve, celui de devenir actrice. Étant ainsi affranchie des conventions bourgeoises, elle a décidé de prendre des cours de théâtre, ce qui a amené à rencontrer sa nouvelle famille, la troupe du Splendid. Durant, elle était chargée de la régie et tout semblait aller pour le mieux pour elle, actrice en devenir. Elle était liée d'amitié avec la célèbre Marie-Anne Chazelle et y avait même trouvé amour en la personne de Thierry Lhermitte. Mais chacune de ces relations a pris une toute autre tournure en seulement 2 ans. Nous y reviendrons un peu plus tard dans Elle, article. Valérie Mérès. Photo, Getty Images. Finalement, Elle, Annie 1975 arrête le début une succession opportunités pour Valérie. Notamment joue pour la pisse, de Grématoté et Malade, plus ou moins et a également fait ses débuts au cinéma dans les films, Degré L, Agression, plus ou moins et Degré 7 Mort sur ordonnance, plus ou moins. Mais ce début de notoriété et les nouvelles obligations de la comédienne n'étaient pas en adéquation avec la troupe dans laquelle elle était. Fait, le Splendid a même fini par lui poser un ultimatum, et le cinéma, ou nous. Est ainsi que, après avoir décroché son premier grand rôle dans le film, Degré L, une chante, autre pas Agnès Varda, plus ou moins Valérie quitta la troupe pour être remplacée par Josiane Balasco. Valérie Mérès. Oh, Getty Images 500, ailleurs, à ce propos, la rousse incendiaire, plus ou moins au micro de gala, est revenue sur les propos que, aurait tenu Marie-Anne à son encontre. Entre autres, celle-ci aurait dit que si Valérie faisait aussi bien les gourdes sur Sonne, parce que, elle était comme cas dans la vraie vie. Chloration, qui n'a pas forcément plu à la principale concernée qui a mis fin à une amitié qui avait pourtant bien commencé. Autant, Valérie Mérès a connu une belle ascension et a tourné aux côtes de grands noms tels que Pierre Richard ou encore Coluche. Également apparue à la télé en tant que chroniqueuse sur France 2, notamment dans Degré On a tout essayé, plus ou moins puis sur Europe 1 dans Degré On va jeûner, plus ou moins sans compter ses rôles dans des séries telles que Degré Le miroir de elle, plus ou moins ou encore Valérie Mérès, plus ou moins depuis 2014. Photo, Getty Images. Mais si tout semblait sourire à la jeune actrice, des nuages sombres avanquaient dangereusement au-dessus de sa relation avec son bien-aimé. Degré On a peur que qu'elle nous porte malheur, plus ou moins. Son histoire 500, amour avec Thierry Lhermitte, la romance entre Valérie Mérès et Thierry Lhermitte a commencé alors qu'elle était encore comédienne au sein de la troupe Splendid. Au début des années 70.
J. avait un caractère de gamine avec un corps provocant. Je plaisais beaucoup. Harry Lermitem, à rencontre, il a confié à Gérard Jugnot. Degré, je viens de rencontrer la plus belle femme du monde, plus ou moins Gérard, lorsque, il aime, a creusé ensuite, a dit que, il était un peu de cul. Je lui ai répondu, Degré, pas de problème, je préfère plaire à Thierry que, à toi, S, est-elle souvenue durant une interview avec Gala en 2015. Et, ajoutez que jeune fille, elle se trouvait elle-même un peu P asterisque TAS. Thierry Lhermitte en 2016. Oh, Getty Images finalement, le couple reste ensemble durant presque 3 ans, amoureuse elle, un de elle, autre malgré les épreuves difficiles. Parmi elles, cet épisode où elle, actrice, a dû partir en Hollande pour ne pas avoir de problème avec la justice française pour ce qu'elle allait faire. Pourquoi était-elle partie en Hollande pour avorter? L'ermite Émérès était jeune, beau et talentueux mais n'était assurément pas prêt à être parent. C'est, et donc ainsi que la comédienne prit discrètement la route pour la Hollande, accompagnés par Marie-Anne afin d'y avorter leur premier enfant, parce que c'est, était interdit en France. Thierry Lhermitte à la 46e cérémonie des 6 heures du cinéma à l'Olympia à Paris le 12 mars 2021, France. To, Getty Images en effet, à elle, époque de cette épreuve délicate, elle, et IVG était encore une infraction prévue par la loi francaise. Ce N, et que, en 1975, grâce à la loi Veil, que, elle a pu y être légalisée. Elle refuse les avances de Coluche. Cette histoire entre Valérie et Coluche date de elle, époque où ils avaient tourné Benzaï. Se fiant aux declarations de la comédienne lors du même entretien où elle annonce avoir avorté de Thierry Lhermitte, la comédienne a affirmé que Coluche lui aurait fait des avances. Elle aurait des ailleurs refusés. Pour sa défense, Valérie avance le fait que Hélène aimait que les jolis garçons. Coluche était certes pas un joli garçon pour elle, mais en tout cas, lui, N, avait pas ce trouble neurologique dont souffre celui avec qui elle a partagé près de 3 ans de sa vie. Rimérès à Paris, France le 7 juin 2007. Source, Getty Images. Thierry LHRMITTE souffle 500, un trouble neurologique invite de Michel Sim dans son émission Antidote. Thierry est revenu sur le trouble neurologique qui lui complique parfois la vie. Il agit de la prosopagnosie. Encore me connu du grand public, ce trouble neurovisuel rend parfois impossible la reconnaissance des visages, même le sien. À cause de cet handicap, il y a eu un moment où elle, actrice, a même pas reconnu sa propre droit d'auteur. Noël avait pas vu depuis 2 ans parce que elle vivait à elle, étranger. Ne savait pas qu'elle était à Paris et le temps qu'elle arrive, à une dizaine de meters, je me suis dit, j'ai déjà vu cette personne. Qui sait, et plus ou moins avait-il raconté sur le plateau des Antidotes. Thierry Lhermitte est vu, lors de l'avant-première parisienne de Monsieur Link au cinéma Gaumont Capucine, le 7 avril 2019 à Paris, France. Oh, Getty Images. Le célèbre acteur a avoué qu'il avait mis en place des stratégies, notamment en essayant de choper des indices, mais il semblerait que cela ne marche pas à tous les coups. Mais est-ce, il y a bien quelqu'un que Thierry Lhermitte a jamais pu confondre, c'est, et bien celle avec qui il partage sa vie depuis maintenant 44 ans. Femme depuis 44 ans, après S,
Être ce par de Valerie, c'est, et dans les bras des, une certaine Helene Couturier à retrouver elle, amour. Les deux amoureux se sont rencontrés bien avant que elle, acteur, ne devienne une figure incontournable du cinéma français. Des regards, le couple cimente jour après jour, mois après mois, année après année leur relation. Des, ailleurs, Helene est une femme qui préfère vivre loin des médias, en toute simplicité. L'acteur Thierry Lhermitte pose lors d'un photocall au 60e festival du film de Venise le 31 août 2003 à Venise, en Italie. Photo. Getty Images et leur bonheur fut de multiplier à elle, arrivée de leurs enfants. Astre en 1974, Victor en 1982 et Louise en 1994. Juste une petite particularité du couple, il ne fêtant pas leur anniversaire de mariage. Thierry Abédé, ailleurs, explique les raisons de ce choix dans elle, une de ses interviews avec Gala en 2007, dans laquelle il disait « On a peur que qu'elle nous porte malheur. C'est, et peut-être qu'a le secret de la longévité, une relation. Penser que qu'a puissesse, arrêter demain. » Il expliquait également que le sentiment des « insécurité en plus de la séduction est nécessaire dans un couple. » Voir que elle, autre, pourrait partir à tout moment et que cette histoire pourrait s' arrêter aussi brusquement qu'elle a commencé aurait également du bon. Thierry Lhermitte. Photo. Getty Image mais toujours S. Agissant de sa femme actuelle, Thierry Lhermitte a déclaré « J'y étais, je reste elle, homme des, une seule femme, la mienne. » Comme quoi le « véritable amour » ne meurt jamais et que le temps haine, et rien quand on aime. Aussi, le dîner de con, j'y ai beaucoup souffert, dit Thierry Lhermitte sur le tournage. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.